Thibaut, on est juste quelques jours après Tirreno, gros enchaînement quand même parce que aujourd'hui, je crois que cette semaine, je crois que c'est assez montagneux. Ouais, c'est une étape, c'est une course qui est très dure, c'était même tous les jours, c'est un peu dur. Aujourd'hui, ça va, il y aura sûrement un sprint, mais il y a quand même 3000 mètres de dénivelé, donc voilà, tous les jours, ça sera dur. Et surtout, il y a deux belles arrivées au sommet, mercredi, jeudi, où voilà, on espère vraiment briller, quoi. Ouais. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas venu en Catalogne? Ben ça fait un an. J'étais l'an passé ? Oui, j'étais l'an passé. Ok. Racontez-nous, du coup, les ambitions sur cette semaine, parce que c'est vraiment une semaine qui peut vous convenir. Il y a de la montagne, il y a de belles étapes de montagne, il y a aussi une arrivée au sommet difficile à Val Thermemille. Ouais, il y a deux belles arrivées au sommet. Ouais, c'est des arrivées au sommet que je connais très bien. Donc ouais, en plus, il y a un très très gros niveau cette année. Donc voilà, on va essayer de faire une belle course et puis surtout, voilà, en espérant avoir de bonnes sensations pour jouer le haut du classement. Ouais. L'homme à surveiller sera Valverde ou il y a beaucoup d'autres favoris? Non, franchement, je pense que Bernal peut être le favori. Et je pense que voilà, pour moi, c'est. Et même les frères Yates, je pense que la doublette là va être très forte à battre. Très dur à battre. Merci.